Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le Endo, alors je vous parle en fait, la vidéo concernant le chat sauvage, le chat des sables, pardon, n'est pas encore sortie, donc je ne sais pas si je fais une oasis ou pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas faire le rhinocéros, parce que je voulais faire le rhinocéros avec une partie de l'oasis en fait, si on devait faire l'oasis. Ou alors un truc plus désertique. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement rajouter des scènes, du détail, un petit peu de partout. J'ai une liste à faire de choses que vous m'avez dit qu'il faut que je fasse. Donc il faut que je m'y attelle. Pour en revenir au rhinocéros, en fait, j'aimerais faire une zone comme ça, dans le rhinocéros. Le truc, c'est que là, si je fais une oasis, le chemin, en fait, il va passer à l'intérieur de l'oasis. Si je ne fais pas d'oasis, le chemin, il va passer à l'extérieur de l'oasis, par ici, contournant les chats sauvages. Comme ça, on va pouvoir avoir un autre point de vue ici. Et le rhinocéros sera là. Du coup, en fait, la vidéo où je vous demande si je fais l'oasis ou pas sort jeudi. Donc, ce soir pour moi. Donc c'est pas grave, je vais attendre. De toute façon, il fallait qu'on fasse un petit peu de décoration ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc les détails à déco, etc. En premier, on va faire ici, parce que je le laisse traîner encore et encore, parce que je sais pas trop quoi faire, mais on va faire quelque chose ici qui est pas fait. Il faut que je fasse un accès au toit aussi, vous me l'aviez dit. Ouais, ça va être galère aux soigneurs, aux mécanos d'aller au-dessus. Il n'y a pas d'accès au toit, donc il faut que je fasse un accès au toit. Il faut aussi. Ah oui, j'avais pas vu, mais en fait, j'avais pas donné de nom au restaurant. Quelqu'un m'a donné un nom, donc je vais le mettre ici. Il faut que je l'écrive. Il faut que je fasse ici l'entrée, finir cette partie-là. Et cette partie-là, donc il y a pas mal de choses, et il faut que je rajoute quelques petits détails par-ci par-là. En l'occurrence, ce bâtiment-là, il ressort pas assez, je trouve. Je pense qu'avec quelques petits objets de décoration comme ça ressortira mieux. Je trouve trop plat. Sauf là, vous voyez, il est pas plat parce que j'ai rajouté des briques, donc je trouve trop plat. Alors je pense que je vais un petit peu le décorer. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors je sais pas si je vais faire tout ça tout le temps en un truc. Hein. Il y a ça aussi qu'il faudrait que je décore. Donc rajouter une planche là, une poutre là et quelques objets de quelques autocollants. Après, il y avait quoi d'autre? Dans le restaurant, mettre de la déco, des petites affiches, le petit menu. J'ai un truc menu tout fait, donc il faudrait que je le fasse. Il faudrait aussi que. Non, je vais laisser en bois, là, c'est très bien. Donc là, c'est bon, là, on a ça. Je regarde parce que c'est marqué restaurant, donc je crois que c'était juste les affiches. Ah oui, mettre de la lumière ici, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc il faudrait que je mette de la lumière. Là, c'est bon. Tac, tac, tac. Et puis, ici, rajouter des feuilles mortes. Parce qu'il n'y en a pas assez. En bas, rajouter. Vous savez, dans l'épisode de zoo, j'ai vu une décoration à faire sur le sol. Avec ça. Bah, vous savez qu'on va le faire en même temps. Comme ça va être sympa. En fait, ça vous allez comprendre ce que je veux faire. On va prendre le pack de contenu. C'est comme ça que moi je cherche généralement le pack tropical. Là, on avait de superbes décorations de murs. Voilà ça, ce genre de choses. Et donc, je voulais faire quelque chose comme ça. Donc, attendez, hop, donc on enfonce comme ça. Hop.
Ah, on peut pas changer la couleur. Faut prendre celui-là pour changer la couleur, je crois. Donc on enfonce. On va mettre du plan. Du plan. Du plan. Et ça, il faudrait le faire ressortir un peu. Un peu plus. Voilà. Ah, donc je voulais utiliser ça. Parce que j'ai vu ça dans une... dans une visite de zoo, mais le faire à ma sauce. Pour avoir un joli parterre. Hop. Voilà, ça fera un parterre assez mignon. Comme ça. Alors attendez, on va regarder. Hop. Ouais, y a moyen, y a moyen. Si on fait ça proprement, en le mettant par exemple, pas de partout, hein. Mais genre, par exemple, si on en met comme ça. Voilà, déjà là, ça rapporte un plus. Attendez, je vais faire une petite, un petit groupe. Hop, voilà. Un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Il a décidé de ne pas me respecter. Hop, voilà. Je pense que ça peut être sympa. T'en mettre là. De laisser une bande blanche de la même taille et de remettre ouais, je vais faire ça aussi. Donc on a pas mal de choses à faire, mais pour avancer, donc voilà. Et je vais commencer par là. Mince, ils sont où les lions? Ils sont là bas je vais commencer par les lions, et puis voilà. Donc je vais aller faire Mumuse, et puis je vous dis à tout à l'heure. Thank you.
Thank you.
tout le monde. Donc, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. D'après Pense-Pet, il me semble. Donc, il y avait le nom là, ici, qui est mis. Il y avait l'entrée donc qui est faite. Donc, j'ai fait une petite table de. Enfin, une petite aire de pique-nique là, j'avais envie. Et puis là, bah, ça va être côté désertique, donc je vais décorer vite fait, quoi. Quelques petits rochers, quelques petits arbres, et puis voilà. J'ai fait ça. Tout simplement pour dire que c'était le parking. 7 mètres max. J'ai fait ce petit panneau de point d'info. Je le trouvais mignon. Avec un peu de déco. Donc j'ai fait le côté là. Ok. Tac, tac, tac. Donc là, c'est bon. Ici, donc j'ai essayé de refaire à peu près. Enfin, pas à peu près, j'aurais fait que deux bandes, mais j'ai fait ça ici. J'ai pas mis de scène parce que je voulais que ça soit clair cette fois. Et puis j'ai juste rajouté le endo et fait un petit bac ici à fleurs. J'aime bien. J'ai pas mis de cet arbre là dans le parc alors qu'en fait on peut en mettre. Du coup, je l'ai mis là. Je le trouve mignon avec les fougères et tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, la zone des lions qui est enfin finie. Donc ici, il y a la trappe pour aller sur le toit. Et il y a la trappe ici avec les chaises sur le côté. Je fais un petit sas de sécurité, on ne sait jamais, même s'il y en a déjà un là. On ne sait jamais. De la déco, voilà, j'ai voulu faire une sorte de petit damier qui est un petit peu de travers, j'avoue, mais c'est pas grave. De la déco, un double plafond, j'aime bien, ça fait classe. La chambre froide qui est ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai tourné la vidéo en plusieurs fois parce que à chaque fois j'avais des trucs à faire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Très bonne question. Et je crois que c'était tout. Ouais, et on a fait quand même pas mal de choses, hein. Ça prend du temps tout ça quand même. Donc ça c'est fait, ça c'est dit, ça c'est fait. Ça c'est dit, ça c'est fait, ça c'est dit. Ici, voilà. Non, pas mal. Ok, bon. Je crois que j'ai rien oublié. Au pire, vous verrez dans la vidéo, hein. Mais du coup, voilà. Ça avance bien, ça avance très bien même. On va pouvoir bientôt clôturer ce zoo. Il reste 3 animaux à mettre là, de la déco. Et puis, faut que j'arrange cette zone aussi. De la déco, et puis voilà, qu'on est bon. On est bon. Ça va être très très cool. J'ai hâte de le publier pour voir les commentaires des gens et tout. Bref, du coup, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La prochaine fois, on va faire le rhinocéros noir. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.